Nounours ? Nounours ? Oui ? J'ai besoin vraiment, vraiment, vraiment de toi. T'as besoin de moi pourquoi ? Je veux que je fasse quoi pour toi ? Parce que je veux un gros bisou. Ouais. Et puis tu vas nous accompagner. Tu vas nous accompagner parce que c'est le 14e épisode d'Outlast. Ouais. Et on va appeler Panthémor. D'accord. Panthémor ? Ouais. 14e ? 14e ! Ça va ? Ça va et toi ? Ça va bien. Et alors on se retrouve ? On se retrouve. Aujourd'hui. Pour le 14e, comme tu viens de dire, épisode d'Outlast. Et on dit. Bonjour aux viewers, mon dieu, ça commence à être l'événement. On arrive peut-être à la fin, on ne sait pas, on va peut-être le découvrir. Doucia d'ailleurs va inaugurer ce 14e épisode, elle va appuyer sur continuer. Voilà. Et c'est parti. Rappelez-vous, on était lors du dernier épisode dehors, malheureusement on s'est fait prendre par le gros Chris Walker. Donc on y va, pendant le temps de chargement, on le dit à Doucet, on inaugure ce 14e épisode, ouvert, let's go. Go, c'est parti, le temps de chargement arrive, il pleut. Et voilà. Mais il fait très noir. Oui. Il fait très noir. Oui, Pipil. J'en ai deux. Donc voilà. Avance un tout petit peu, de toute façon il peut rien arriver. Voilà, rappelle-toi, c'est là-bas, là où il y a la source lumineuse. Pas à gauche. Ah, voilà. Il fallait me dire à droite. Pardon, excuse-moi, nous sert. Et donc c'est juste à gauche la source lumineuse de droite, un tout petit peu à gauche, t'as des palettes. Faut monter dessus, mais tout droit. La dernière fois, ce qui s'est passé au dernier épisode, c'est que t'es monté en biais, il a sauté sur lui-même. Bye, Monsieur Chris Walker nous a pris, nous a tués, et on a terminé sur cet épisode. Donc, on est parti. Alors, vu qu'il y a deux piles, peut-être avancer avec les piles. Je sais pas. De toute façon, c'est toi qui vois, c'est ton jeu, c'est ton live, c'est ton let's play. Ouh. Alors, attends, je me repositionne. On va sauter. Oula. Alors voilà, on a Monsieur Walker qu'on entend avec ses chaînes. Voilà. Il est devant nous. Non. Si. Ouais, vas-y, passe à gauche. Je l'entends très très fort là. Je l'entends très très fort. Oh, Monsieur Walker, vous êtes à droite, il est là. Alors pour l'instant, il ne nous voit pas, du moins il ne nous a pas. Oh là là, il y a un pont. Voilà, passe à gauche. Non, contourne-le, non, traverse pas, c'est à gauche. Ouais. Là, voilà. Là, mets-toi en face des palettes. Voilà. Non, saute au-dessus. Vas-y, non. En face, voilà, sur la corniche. Voilà, normalement, ce gros balou n'est plus là. Oh. Avançons vers la droite sur la corniche. Attends. Non, je peux pas. Non, c'est à droite. Regarde sur le côté. Non, tu vas tomber. Ah bah si, c'est ça. Pardon, oui. Excuse-moi. Je comprenais pas. Excuse-moi, je suis déjà en train de stresser. Oh. Wow, l'orage. Je saute derrière les barbelés. Oh, ma pile. Je vois rien sauter. Alors attends, là les barbelés. Donc je tombe. Ouais, regarde s'il y a. Il y a encore un bout de corniche. Ah. Il y a encore un bout de corniche. Ouais, là effectivement faut tomber. Apparemment, il n'y a plus de corniche. Sauvegarde. Ça m'a rien. Ok. Et là la caméra nous fait un bruit du diable parce qu'elle est aussi tombée. Faut que je change la pile. Pas le choix. De toute façon. Épisodes, je pense que t'es rodé. Oh là là, c'est pourri. Je pense
que tu peux te mettre debout. S'il nous a fait une sauvegarde après le passage... J'étais déjà debout. On va peut-être regarder s'il n'y a pas une pile quelque part là-dedans. Essaye de passer devant les barreaux et de sauter au-dessus. Je pense que c'est possible. Oui. J'ai vu. T'as vu une pile? Oui. Ah, voilà. J'ai. Génial. Oh. Il va pas bien, mais je pense que de toute façon, il ira pas mieux. Non. Alors, d'où qu'il faut aller. Cet orage est une horreur. Ouais. Je repasse au-dessus. Non. Oui, bonjour. Non, je pars pas. Je pars descendu. Oh. Voilà. Alors, t'avais commencé à longer ce mur-là. Voilà, en face. Ah. Là-bas, il y a une source lumineuse vers la gauche. Je fais gaffe qu'il y a rien. Ah, je crois que c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas vers la droite. Toi, il y a la lumière. Ouais. Vas-y. Vas-y, cours. Ah, fais le tour du kiosque à gauche. Attends, regarde, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à... Ah merde, ça y est. À droite, à droite. Ah merde. Attends, je cours. C'est pas grave, cours. Mais pourquoi tu cours? Mais parce que tu cours. Ah là là. Ah. Oh putain. Non. Oui, ben, excuse-moi. Je suis un petit peu en train de me la chercher, là. C'est où? Bon, au bout de trois tours, on a un tour gratuit, rassurez-vous. On y va. Ouais. Merde, il est où le passage? Oh, je sais pas maintenant, je suis en train de... Oh, oh là là. Ah, c'est là-bas. Je crois que c'est là-bas. Non, mais je peux pas. Ah merde, c'est fermé. À gauche, faut faire le... Voilà. Oh là là, merde. Oh putain. Oh, je vais bien faire le tour. Aïe. Ouais. Mais en fait, il a déjà fait plus que ça. Ah bon? Attends, ah oh là là. Bon. Ok. Bon, j'ai ma sauvegarde. Ok, donc c'est à l'endroit de la sauvegarde. Donc on a vu où c'était. Moi, ce que je te conseille, le temps qu'il va mettre à descendre les escaliers, je pense que tu te rappelles la source lumineuse à droite, là, dans le couloir où il est venu. Là, comme ça, non. Ok, on va y aller. De toute façon, maintenant, tu peux courir. On a vu que jusqu'à la source lumineuse, il n'y a personne. Oublie pas que je perds mes moyens. Alors, voilà. N'avance pas. T'as un petit passage à droite. Ouais. Lui, il va arriver par les escaliers. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ouais. Attends, je coupe la pile parce que... Lui, il va descendre par les escaliers. Ouais. Toi, tu vas courir, te faufiler à droite. Ok. Logiquement, pour moi, il y a que par là parce que quand on est moto au-dessus, bah... Ah oh, putain. Oh putain. Ah, ah, ron. Oui, bah. Excuse-moi. Je me stresse. Voilà. Sauvegarde. Ah. Pardon, Doucet, je suis désolé. Je suis désolé. Ah. On sent que c'est la fin du jeu et que on veut y arriver. Forcément. Ça a été trop simple. Il y a du sang dans la fontaine, là. Ouais. Un petit bain de sang. Là. Ok. Oh là là. Merde, c'est pas ça que je voulais. C'est ça. Ouais. Un doc. Ah, une note. Oh là 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 là. Oh, c'est dégueulasse. Hein. Oh, on vous a fait peur, hein.
Oh là là. Bon, c'était sûr. Ah, oh, puis on a là-bas aussi, apparemment. Ah, des notes et des documents. Ah non, c'est un appareil photo. C'est... Ah oh, magnifique. Une pile. Je vais perdre mon ombre. Faut enlever... Ouais, je crois qu'il fallait enlever la caméra. Non, c'est une note. Oh non, potable. Oh, bah je veux bien le croire. Il y a tellement de sang dans l'eau qu'on peut le sentir. C'est quoi c'est comme quand on se mettait une pièce rouge dans la bouche quand j'étais gamin. Les murmures commencent à prendre du sens. Je suis à l'affût des parasites. C'est comme une fixette. Hein, bah oui. Mais ça, non Non, non, les appareils photo, faut pas les prendre, apparemment, ils s'en foutent. Pardon. S'il vous plaît, vos pieds quand même, les gens. Mais rangez, merde, on va pas vous dire qu'on vous marche dessus. Alors, on revient de où? On vient de par là. Ouais. Ah, ah merci le bâtiment. Les éclairs. Oh, pardon, attends, je me réhabitue aux touches. Non, j'ai pas plus d'infos avec ça. Donc, on vient de là. On vient de cette porte-là, ouais. Oui, exactement. Ouais. Là-bas, il y a la lumière. Oh, je le sens bien. Oh. Sortez du bâtiment. Rentrez dans le bâtiment. C'est ça. Waouh. Et voilà, on est retourné dans ce foutu mante massive. Sauvegarde. Je sais pas si je dois me réjouir ou si je dois pleurer. Hein? Ah, une musique qui a pas l'air d'être si inquiétante. C'est tout dit, hein. Porte condamnée. Là, j'imagine que... Voilà. Bah voilà. Ah voilà, bon bah c'est là-bas, apparemment. Ah non, je remonte pas, j'ai donné assez. Ah, lampe torche, là-haut. Beginning to understand, but not yet. Even Abraham had to cast his eyes to the ground. But soon, soon, this way, revelation is at hand. Bon, on va tout savoir bientôt. Oui, on a vu le Wall Rider. Rejoignez le Père Martin par les niveaux supérieurs. Par les niveaux supérieurs, on va encore monter. Oh le bordel, tout est pété. Ouais. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Bon, Père Martin, raconte-nous une histoire et surtout dis-nous comment on monte. Je veux bien qu'on monte vers toi, mais... Et par là, bah oui, hein, dans le noir. Chier. Oh, j'aime pas ça. Moi non plus. Je sais que c'est pas par là, je sais pas pourquoi. Je sais que c'est pas par là, mais c'est parce qu'il faut que j'aille voir. Ça oh, il y a un monsieur là-bas. Ça me plaît pas. C'est un monsieur là-bas, oui. Ça bouge. Oui, bah... Il reste dans son coin. D'accord. Et il y a un monsieur là-bas. Oui, mais il a l'air... T'as l'air mort, hein, rassure-nous. Ouais. Ouais. Ouais, il a l'air mort. Il a l'air mort. Il a une pile. Je vous l'emprunte, monsieur. On vous la rend vide. Oh putain. Oh putain. Tu disais bon, quoi? Bah, j'avais pas le choix. C'est pas par là? Bah si, c'est par là. Super, magnifique. Ah, puis ce bruit de gouttière. Non, bah non. Bah non. Bah non, puis de toute façon, apparemment, c'est par là qu'on vient, donc. Monsieur là-bas? Il a pas l'air de bouger. Non. Ah, ça, tu te rappelles de la cantine sous les flammes. Ah hop! Quoi? Je sais pas. Ouais. Non, c'est un screamer, c'est pour nous faire chier. Sinon, il serait déjà sorti, il aurait déjà tapé 50 fois.
prends ma pile. Oh là 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 là. Ouais, non, il aurait déjà tapé. Oh, j'aime pas ça. Oh, un endroit pour passer à travers et que les ennemis ne viennent pas. C'est quoi ce son? Une laverie. Ok. Ah, c'est une machine qui tourne. D'accord. J'ai peur, il y a des notes. Oh, il a pris une note. Bruit de la machine. Le bruit dans la machine, comme celui dans ma tête quand le Wild Rider est apparu. Quand je ferme les yeux, je vois des parasites. Autre chose. Quelque chose de noir et de gras descend derrière mes paupières. Ça me regarde avec des organes que j'arrive pas à imaginer. Mais le bruit vient aussi de la machine, de l'intérieur des murs. Je connais ce son. Mmh. Suspendons les trois petits points. Oh, je me rêve des pieds, je me rêve une avance de pieds, s'il vous plaît. T'as une petite avance déjà de 3 piles. Oui, mais... En avoir encore plus, ça serait mieux. Je suis d'accord avec toi. Chien. Ah ouais, mais là... Pas le choix. Oh, ça, c'est la porte condamnée. Ah, donc ouais. je vois ce que le jeu a voulu me dire. Sauvegarde. D'accord. Bon. Son ombre, purée. Sauf que j'avais plein d'embranchements encore de l'autre côté, je sais pas si tu te souviens. Non, je crois plus, non. Non. Il fait tout noir. Ah, oh, c'est bon. Comme c'est on vient de par... Ah non, on vient de du milieu, super. Forcément. Oh putain, oh. J'aurais aimé qu'il y ait de la lumière dans le couloir. Des escaliers pour monter apparemment d'après le jeu. De toute façon, faut aller au niveau supérieur. Hein? Quoi? Oh, cette musique. J'aurais peut-être pas dû faire de bruit. Je peux pas me planquer. Il n'y a pas un endroit où je peux me planquer. C'est non, pour l'instant il n'y en a pas, donc peut-être que ça nécessite pas. Ah non, mais je suis en train de bouffer des piles là. En plus, j'ai pas le choix quoi. Ouais. Alors, t'as vu ce que ça donne à droite, un couloir à accéder. Est-ce qu'à gauche il y a quelque chose? Il y a une porte entrouverte. Ah, un document ou une pile. Une pile. Oh, il n'y avait rien par une pile. Et ça, c'est déjà beau. Ok, 3 piles plus celle en cours, ça fait 3,5. J'ai où là? Là, il n'y a rien. Regarde quand même au cas où, hein, si c'est pas juste. C'est juste un mur. Ok. Et bien évidemment, on en profite, temps de calme rapide, pour dire un petit bonjour à tous ceux qui passent sur la chaîne. Ouais. Ah oui. Pas le choix. Sauf que cette vas-y, choisis musique. Droite ou gauche. Je suis sûr qu'à droite, il n'y a rien. Hein, une grille, un truc comme ça, ou une porte condamnée. À gauche. Ouais, c'est con, mais là, pour le coup. Regarde vite à droite, si tu veux. C'est de là où on vient. Ou non, je sais pas. Bon, allez, faut se lancer. Ouais. Sortez de mon corps. T'es un gentil, toi. Toi, t'es un gentil, d'accord? Ouais, t'as pas l'air de me faire chier. Ok, bon, on va plonger, hein. On va passer par là. Il y a de la lumière. Je veux pas crever. Non, tu crois? Ah! On va monter? Ils ont pété la porte.
Ça, c'est intéressant, ça. Ils ont fermé la lumière à gauche. On va monter ? Ouais, bah oui, niveau supérieur, donc j'imagine que ça doit être vers le haut. Je prendrai pas l'ascenseur. Non, bah l'ascenseur, non. Hein. Ah bah tiens. Hein. Ouais. Ok. Ah non, je veux pas retourner par là. En fait, ah, fallait sauter, d'accord. Ouais. Ah, faut que je saute. Ouais, il y avait les escaliers étaient cassés. On va prendre de l'élan. Non, c'est pas celui-là, je me rappelle. Allez. Voilà. Ouais. C'est okay. Pas grave. C'est pas grave. Allons-y gaiement. Super. Oh. Ouais. J'aime quand il y a de la lumière, ça me fait un peu moins peur. Enfin, un peu. Hein. Ouais, parce que là, elle bouge. Elle bouge de trop, cette lumière. Ça a l'air d'aller. Il y a une porte à gauche. Sauvegarde. Super. Oh, la musique. C'est horrible. Je regarde vite fait. Ah bah... Mais, porte condamnée, j'imagine, sinon ça serait marqué. Ah, une clé. Bon, on va aller chercher une clé. J'imagine okay. Que c'est pour ça la sauvegarde. Ouais, oh là. Ah, le père Martin. Avec sa lampe. Allez, ouvre-nous la porte. En passant par en haut. Oui. Putain, tu pouvais pas juste nous attendre. On t'aurait juste suivi. Ça t'emmerderait de faire en sorte que... Non, mais te casse pas, tu pouvais venir... Oh putain. Donc il y a rien à faire par là, apparemment. Faut que j'aille en haut. Ouais, donc en haut, donc il va falloir chercher. Ah, magnifique. Bien. On va aller chercher une clé, déjà. Je vais juste préparer mon caméscope, je vais changer la pile. Je vais le rabaisser de suite. Voilà. Voilà, donc deux piles en plus de celles qui nous restent. Ah. Oui. Ah. La queue leu-leu, ouais. Alors, viens de monter. Non, je prends pas l'ascenseur. Nécessite une clé. Non, mais... Non, mais l'ascenseur est condamné. De toute façon, il est bloqué, donc... Bah, ouais. Y a rien d'ailleurs. Donc, ça sera en face. Non, c'est un néon qui a pété. Faut réellement que j'aille par là. Donc il y a un truc là-bas, derrière une porte, un truc comme ça. Ah, ah. Bah ouais. Forcément. Ok. Puis je suppose que si je... De quoi? Je suppose que... Oui, bah oui, forcément. Bien sûr. Porte condamnée en face, porte condamnée à droite. Il y a des escaliers derrière, on ne peut pas y accéder. Il y a juste une fenêtre. Ouh. Là, il n'y a quoi ? Rien. Le stress commence. Oh ! Une clé ? Non. Ah ! La clé ! La chute à linge nécessite 3 fusibles. Bah ouais. Magnifique. Je m'en souvenais plus. Il y a quoi là-bas? Ah, il y a une pile là. Ouais. Oula. Merde, j'ai changé. Oh non. Bon, c'est pas grave. J'ai voulu faire... C'est pas grave. Ce que vous avez vu derrière les gens, c'était un monsieur, et ça c'était fait exprès pour nous faire peur. Parce que là on le voit vraiment pas. On peut pas passer? Ah bon? Si. Maman me disait bien. Je parie que si j'éteins. Ouais, moyen, c'est vraiment pour économiser au max. Mais.
Putain, porte défoncée, endroit cramé. Je sais pas ce qu'ils ont fait là-dedans. Honnêtement, je sais pas. Ouais, magnifique, c'est pas une... C'est grillagé à gauche, ok. Il y a de la lumière, c'est juste... Il y a un truc en bas, par terre, à attends, gauche, attends, non je, ouais, je sais pas, je... Ok, c'est juste pour me situer. Oh. Non, je pensais. Non, non, non. Là-bas, il y a de la... il y a des bougies. Il y a des bougies. C'est marqué quoi? Drive in Niles. C'est un truc avec les ongles. C'est horrible. Et drive in conduit-le avec les ongles. Oh, une porte. Ouais. Il y a des bougies toutes fraîches. Bon, ça m'a l'air d'être safe pour l'instant. Ça m'a l'air d'être très très safe. Un pendu. Je sais pas s'il est pendu ou quoi que ce soit. Ok. Si, il est pendu, il est en train de cramer, c'est bon, il est cuit. Ding dong. Thermostat 7. Bon. Il y a un lit, deux lits. Oh putain. Un meuble à coincer? Non. D'accord. Écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Le coincer. On va la coincer la porte? Ouais. Allez, vas-y, ferme la porte. Là, de toute façon, c'est pas grave, on s'en fout, puisque le meuble va nous arranger ça. C'est bien. Attends, hop. Oui, je me disais bien que j'étais pas... Tu as longé le meuble. Déjà, ça, je suis un peu plus en sécurité, ça m'arrange. Voilà. Bon, faisons le tour maintenant. Je vais la cam, je peux peut-être la baisser, ouais. Oui, si y a quelque chose, ça surbrillera. Ok, non. Pour vous cacher, ouais, super. Je vais monter sur le... Il y a quelque chose qui brille. Hein? Là? Là, ouais, pile poil en face de toi, sur une tablette. Une pile. Non, c'est... Non, c'est ah, c'est infusible. Voilà. Ok. Pourquoi il a fait... Je sais pas. C'est peut-être le gars qui est en train de cramer qui a juste chaud, je pense. Je sais pas. En gros, je me suis enfermé. C'est ce que je viens de constater aussi. Donc il sert à rien, ce meuble. C'est juste une sécurité à mon avis. Chier. Ouais. C'est pas chaud. Par les fenêtres au cas où. Mais quoi que j'essaie. Non, non, c'est au cas où il y avait une d'ouverte, mais non, 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 ok, non, non. Il n'y en a pas d'ouverte. Personne. Personne, personne. En avant. Oh, putain. Ah, une pipille. Ok. Forcément. Bon, on peut pas ouvrir cette porte. Quoi? Ah oh putain. Non, bah non. Attends, je m'en fous. Je m'en fous. D'accord, d'accord. Je ne dis rien. Pas de côté. Pas de. M'en fiche. Ou alors faut que je l'enferme, faut que je me cache et lui qui vienne là et que je l'enferme. Oui, c'est pas une mauvaise idée effectivement. De toute façon, tant que tu mets le meuble devant, même si tu sors, tu pourras pas l'enfermer avec le meuble. C'est pas possible. Non.
Donc, excuse-moi, j'ai un peu la flippe, donc du coup... Mais, non, je sais pas, j'essaie de trouver... Pourquoi tu veux pas pousser? Pousse! Réforme dans le noir, ça veut pas. Bon, il est pas derrière. Enfin, il est pas devant. Enfin, il est pas derrière la porte, il est pas devant. Non, 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 non. En avant, oui, oui. En avant, oui, oui. Oui, oui. Oui. C'est toi qui conduis. Pouette, 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 pouette. Ouais. Allez, on avance en chantonnant. En avant, oui, oui. Il était où? Bah, il était juste à gauche, en fait. Et je peux pas aller là? Non. T'es obligé de le contourner ou une planète de ce genre. Bah, il y est plus? Bah, il y est plus. C'est un bug du jeu, félicitations, Red Barrels. Vous nous avez bien fait rire. Oh, pardon, j'étais bloqué. C'est pas grave. Non, puis j'ai pas le choix, ça m'énerve. Donc apparemment ça sera à gauche après. J'ai bien apparemment parce que je vois qu'il y a une petite encoche à droite, mais je suis pas sûr. Non, à mon avis. Ouais. Il est là, il est là. Ouais, il est là. je l'ai vu. Oh putain. Voilà, il est rentré. Non, sors pas tout de suite, on veut t'enfermer. Oh non, putain. Bon. Deux solutions. Ouais. Sauf à nous. Soit on y va et on fonce comme des malades qui savent se prendre un coup de batte dans la gueule. Ou soit foncer maintenant et fermer la porte derrière lui. Oh putain! Non! Oh putain, c'était un coup de... Non, 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 c'est derrière toi! De quoi derrière? Ah ah, ferme-moi cette porte! Oh, putain! Tant pis. C'est pas grave. Ouais, bah, les casiers, hein, pour maintenant. Bon, on sait qu'ils sont Pardon là. Excusez-moi, je voudrais passer. Non, pas de l'intérieur, babache! Heureusement, on n'a pas envie de jouer au poker avec toi. Putain. Oh, on saigne. Il y a du sang. Je peux pas me relever. Bon. Ah. Où qui est qui va nous remettre? Où c'est qui va nous... Maya, Maya. Ok. À l'endroit où il faut même... Essaye de voir si tu peux mettre le fusible, tiens, vite fait. Vu qu'il y a rien qui peut nous arriver ici, est-ce qu'on l'a le fusible? Il a pas sauvegardé quand on l'a pris? Bah non. Attends. Ouais, trois fusibles, voilà. Super. Magnifique. Super, moi je dis super. Je dis super. Super, c'est... bah du coup, on en fera un 15e. C'est déjà la fin de l'épisode? Bah ouais. Putain, c'est passé à une vitesse. Et j'imagine que pour vous aussi, c'est passé à une certaine vitesse. Comment tu te sens, Douceur? Nickel. Dis-moi comment tu te sens. Non, mais en fait, T'as les pétoches, hein? Ouais. Bah, t'es pas la seule, hein? T'es pas la seule personne à avoir les pétoches. Et vous savez quoi? Vous aussi, vous avez les pétoches. Parce que vous allez le marquer en commentaire. Et si vous aimez... Enfin, si vous avez les pétoches, vous cliquez sur j'aime. Vous commentez. Et vous partagez. Partagez l'abonnement.
vous vous abonnez aussi, qu'on se mélange. La FIP nous fait dire n'importe quoi. Et en tout cas, on félicite Doucea pour son 14e épisode. Et donc, on va se quitter sur cet épisode avec Doucea et Panthémor sur Outlast. Et on se retrouve pour le 15e épisode. Cliquez tout partout où vous voulez sur notre chaîne. Et on vous dit bonjour.